What News Today, Journal d'Afrique. Getafe contre Barcelone. Le Camerounais Alain Niom au cœur d'une polémique. Victorieux du FC Barcelone sur le plus petit des scores, 1-0, avec son équipe de Getafe dans le match comptant pour la 5e journée du championnat espagnol, saison 2020-2021. Le natif de Neuilly-sur-Seine a vécu une soirée houleuse. Arrivé en 2019 dans le club espagnol de Getafe, l'arrière droit international camerounais est connu pour sa rigueur défensive et son engagement physique très poussé. Dans un match dominé par le FC Barcelone avec 73% de possession, commettant 20 fautes et récoltant 4 cartons jaunes, dont un carton jaune pour le défenseur camerounais. Niom accusé par Ronald Koeman. Niom m'a insulté. Il a montré beaucoup de manque de respect. Je n'accepterai pas cela. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire dans le foot moderne. Je ne le répéterai pas, mais c'était moche, déclarait le nouvel entraîneur du FC Barcelone en conférence de presse d'après match. Si les propos de Ronald Koeman sont avérés, le défenseur camerounais risque gros. Nous attendons donc les analystes vidéo de la Ligue espagnole pour situer les responsabilités dans cette histoire. Manchester City. Guardiola salue la prestation de Mahrez contre Arsenal. Après son nul contre Leeds lors de la 4e journée de Premier League, Manchester City a renoué avec la victoire samedi en accueillant Arsenal. Les hommes de Guardiola se sont imposés 1-0 contre les Gunners, avec un bon Riyad Mahrez. Après la rencontre, l'entraîneur des Citizens n'a pas manqué d'évoquer sa satisfaction au sujet du rendement de l'international algérien. « Nous ne sommes pas prêts à jouer 90 minutes à un haut niveau de manière cohérente, mais j'ai eu de très bonnes nouvelles. Bernardo Silva revient, Phil Foden et Riyad Mahrez ont été remarquables », a affirmé le technicien catalan. Le doublé de Cal Toko Ekambi. Auteur d'un doublé contre Strasbourg ce dimanche à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1, Cal Toko Ekambi marque de nouveau après plusieurs mois de 17. Même si la deuxième mi-temps n'a pas été facile pour le Camerounais et ses coéquipiers, ils ont fini par l'emporter 3-2 sur le terrain des Alsaciens. On était serein parce qu'on a bien travaillé depuis le début de saison. Malheureusement, on était un peu malchanceux. On n'était pas récompensé. Ce soir, on a réussi à mettre 3 et gagner ce match qui nous met un peu plus haut au classement et qui nous annonce de belles perspectives, a réagi l'ancien avant-centre d'Angers après la rencontre. Dortmund, Youssoupha Moukoko menacé de mort. Dimanche mouvementé pour Youssoupha Moukoko à Dortmund. Auteur d'un triplé dans le derby junior qui a opposé le Borussia Dortmund à Schalke 04, le jeune prodige d'origine camerounaise aurait pu bien savourer ses 3 si les supporters adverses n'avaient pas tout gâché. En effet, ces derniers ont été auteurs de graves débordements et s'en sont pris ouvertement à Moukoko, lui envoyant des insultes, des promesses de tabassage et même des menaces de mort. Ligue des champions. Al Ahly a un pied en finale. Le Wydad est condamné à l'exploit. Al Ahly a pris ce samedi une grosse option en vue d'une place en finale de la Ligue des champions africaine. Au Maroc, la formation égyptienne a largement dominé le Wydad Casablanca dans la première manche des demi-finales entre les deux clubs. Al Ahly est parvenu ce soir à s'imposer sur le score de 2-0 en attendant le match retour au Caire la semaine prochaine. Everton Liverpool, un hors-jeu signalé sur Sadio Mané fait fâcher Klopp. Auteur d'un des 2 marqués par Liverpool contre Everton dans le derby de la Mercy ce samedi, Sadio Mané a également contribué en raison d'une position d'hors-jeu par Jordan Henderson et qui aurait pu permettre au Reds de l'emporter. Chelsea, première pour Hakim Ziyech avec les Blues. Blessé depuis le début de la saison, Hakim Ziyech n'avait pas encore joué en Premier League avec son nouveau club, Chelsea. Mais cette fois, c'est bon, l'ailier marocain peut retrouver les pelouses. En effet, il a été convoqué par Frank Lampard pour la rencontre Chelsea-Southampton, comptant pour la 5e journée du championnat anglais. Toutefois, il ne débute pas la rencontre puisqu'il a été mis sur la liste des remplaçants. Série A, Victor Osimhen ouvre son compteur de but à Naples. La machine est lancée. Victor Osimhen inscrit enfin son premier but sous les couleurs de Naples. Tonitruant à ses débuts à Lille, Osimhen aura attendu 4 matchs pour ouvrir son compteur de but à Naples. Il a participé au festival offensif 4-1 de son équipe devant l'Atalanta Bergame. Le Super Eagle a marqué son premier but à la 43e minute. La question du jour. Que pensez-vous des débuts de Victor Osimhen à Naples? Vos réponses sont attendues en commentaire. Merci à notre communauté qui ne cesse de grandir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.